bien prenant soin de moi. Juste l'alcool et les cachets. Il s'est passé plein de choses, des choses qui ne se sont pas entendues, qui ne se sont pas vendues, mais il s'est passé des choses. Donc on s'en sort bien, on s'en sort avec des copains, on s'en sort avec l'envie de faire de la musique encore, et on s'en sort avec l'envie de faire aussi ses propres chansons. J'ai travaillé avec Kent parce que j'aimais bien son travail, quand il était dans Star Shooter, et qu'un jour je l'ai vu à Paris, que je lui ai écrit, que je lui ai dit que j'aimais toujours son travail, et que je voulais savoir s'il avait des choses qui pourraient me convenir. Et par chance, il aimait bien aussi ce que je faisais, donc on a collaboré, d'autant qu'on travaillait ensemble avec le même arrangeur, qui est François Briand, qui nous donnait un intérêt en plus, un point commun. La scène, on a commencé, c'est aller faire un tour au Canada, c'est retourner au Japon, c'est faire un autre album, et c'est m'entourer encore avec d'autres gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer grâce à cet album-là. Parce que une fois que ça a marché un petit peu, on n'est plus sollicité par des gens par lesquels on a envie d'être sollicité, puis par d'autres par lesquels on n'a pas envie. Alors ça nous permet de faire un peu plus le point sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Aucune rancune, pas d'indécent procès, justice.